questions, comment Dieu peut sauver l'humanité à travers quelqu'un qui est maudit. Non, quand il faut aller mourir, on est pour pas ouvrir quoi, pour bien mourir avant de l'aller mourir. Jésus-Christ était une malédiction pour les Juifs. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'il demandait de l'eau à boire, quand demande à l'eau à boire, quand il a demandé de l'eau à boire, quand il a demandé de l'eau à boire, les vinaigres. Ma compagne, vinaigre. Alléluia. À 5 heures du matin, à 5 heures du matin, on a tranché sur son visage. La première fois qu'il a soumis, il va gagner la main. On pouvait le déshabiller. C'est une folie pour le païen, un scandale pour le juste, mais puissance et sagesse des dieux pour ceux qui sont sauvés. Donc la croix de Jésus-Christ cachait une certaine vérité que les gens ne comprenaient pas. Mais bien aimé chrétien, nous sommes des gens merveilleux. Alléluia. Nous sommes des gens merveilleux. Ce que les païens ne pouvaient pas comprendre. Ce que les juifs ne pouvaient pas comprendre. Mais nous, nous devons les comprendre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur du diable. Lorsque la Bible parle de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse, c'est un moyen pour trouver la solution à un problème.